C'est parti. Tu veux commencer? Tu veux commencer? Non, non, bon, on fait ça au hasard, hein, ça marche. Ah non, je te laisse commencer, hein, si tu veux. Je veux pas de hasard pour moi. Non, y a pas de problème. Alors, round 2, donc c'est Thibaut contre Romain. Le meilleur gagne, vas-y. Bon, bah, face. C'est comment? Cool. Bah, cool pour moi, ouais. Ouais. Alors, ça... Ça. Allez, 3. C'est l'heure du duel. On est parti. Ce mec, tu le rends pas. Je veux que la puissance du game qui là-bas. Allez, il gagne 3. Youpi! Les coups. C'est moi qui commence donc. Alors c'est parti. Hop, je pose un petit boubou, je pioche. Ouais. Et à toi. Donc je révèle. Si c'est un commando junior en jeu, sinon je le mets dans la main. D'accord. Et je règle. C'est bon, ça c'est bon pour moi. Et paf. Heureusement, tu vas pas rentrer dans une boucle infinie comme avec le freezer. Avec freezer, je pioche freezer. Je me défausse de freezer, je pioche freezer. Je repose freezer. Bon. Je t'attaque. Ok. Pas de contre. Je détape. Je n'insiste pas. Moi non plus. Je prends le dégât. Je joue 1. Je pose 1. Boucle infinie. Oh, normalement, après, t'as fini. Hein. S'il n'y a pas un Goku là-dedans, franchement, t'as pas de bol. Hein. Trop de Goku, hein, c'est ça. Mais quel est le bon? Mais quel est le bon? Allez, on va prendre celui-là. Il me coûte quoi, hein, quand on veut. Ouais, je paye 2, mais il me retape 1. Ah oui, d'accord, ouais. En gros, si j'ai un deuxième Goku comme ça, deuxième tour suivant, je paye, je le paye, je les tape un, je les tape un, puis je repaye, je les tape un. Ouais, c'est la mécanique du. Bah, il est dans le deck de départ, celui-là. Ouais, c'est le basique, mais il est très bien. Pour... Ah oui, carrément bien. Il coûte que 1 avec un petit. Ça fait petit Goku, grand Goku, super Goku, ultra Goku, méga Goku. Voilà, quoi, tant mal. Bon, bah, ça va. Fin de tour, ça marche. Pas 300 balles. Je pioche une carte. Ah, c'est un donc, je vais poser
pioche. Si je veux perdre l'énergie, je le pioche, je le montre pas. J'utilise le pouvoir de Vegeta, je me défausse. Enfin, je pioche un point de vie. Alors, bon, bah, je vais attaquer avec Vegeta. Je ne contre pas. Ok. Donc, cause énergie. Ton virus. Je le frappe. Et. Je vais taper une énergie. Ouais. Le train est bien résolu. Mais ce n'est que moi pendant mon tour. Pour 0, mais tu passes à 15 000. C'est un truc que tu pourras avoir dans ton deck d'ailleurs, celui-là. Le train, c'est vrai. Le petit truc qui est en détail, mais. Je sais pas, faut voir. Ça peut être... Il y en a d'autres qui sont plus intéressants, je trouve. C'est vrai que ça peut être sympa. Alors, tu me casses les pieds. Bon. Est-ce que vous avez tous noté votre repas dans ce mange-là ? Tu es à. 20 000. 25. 25. 10 000. 5 000. Leader sur mon leader. Sans le blesser, il arrive à l'énergie. Non, bah ça passe. Allez. On me contre Louis. Ah, celle-là, elle est pas bien. C'est très bien. Un appât libre. Ça me fait plaisir. Un appât ? Ouais, moi aussi. Ensuite. Vous avez tous noté, c'est bon ? Oui. Et ensuite, pour un deux. Non mais je pense que je vais. Ok. Moi je le note. Deux. Il va chercher. Alors ouais, je sacrifie, je cherchais un Trunks et un Goten dans mon deck. Ah tu vas chercher les deux. Ouais. Tu sacrifies ça et t'as mis Mighty Max. Donc un petit guerrier masqué des familles. Donc j'attaque ton leader avec. D'accord, pas de con, je ne contre pas. Très bien, pas de combo. Ok, je pioche. Je prends un TV. C'est n'importe quoi. Ça. Donc je le sacrifie, je vais chercher. Un Trunks, un Gotenks. La famille. Il n'y a pas de limite de puissance ? Si, 15 000. Tu Trunks et le Goten. Sans le Gotenks et le Trunks avec Velu. J'ai détruit les 3 pour les moins. Puissant. J'ai détruit les 3 pour les moins. Tiens. Tu as coupé. Merci. Et bon, bah voilà. Hein. Je passe mon tour. C'est à toi. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a marqué qu'il a plus 5000. Oui, mais c'est tout. Évidemment. Je mets un C18.
T'avais fait égalité ton précédent match ? 1-1. Peut-être un grenouille d'air. Pas de contre. Peut-être une. Je ne l'ai pas. La carte qu'on va jouer, elle est en mode inertie. Je prends. Attaque avec Goku. Ok. Bon, pas trop. Pas de boost. Je vais voir 5. J'ai eu 100. Bon, non plus. Je prends. Alors, je vais je mets un autre Bulma en pas divin. Je crois qu'il y a un nouveau Whis à 4 énergies avec le BT2. Ouais, il est très bien. Il est bien. Tu fais quoi du coup? Tu peux pas le mettre KO par les capacités. Ah oui, d'accord. Ou même tu peux pas le renvoyer à cause de capacités en main. Ouais, c'est une semi-immortalité. Ouais, c'est intouchable. Ouais, c'est clair. C'est un 20 000 en plus pour 4. Ah ouais. Apadiva de Bulma, je vais le chercher. Ah ouais, non mais il est carrément bien. Hein. Je pensais pas qu'il était si bien. Il a double frappe ou pas? Non. C'est un peu déjà. Ce que j'étais en train de me dire. Bah là, tu mets un champion double frappe, c'est pareil. Là, je crois que ça vient de tomber. Je vais mettre l'alimentation. C'est sûr c'est là? Non, je suis pas sûr. Ah, c'est là. Merci. Hop, ça repart. Donc, fin de tour. Ok. Je suis un carte. Donc pour 2, le retour. Voilà. Voilà, voilà. Donc je vais attaquer ton leader avec. Ok, ça ne rentre pas. Excuse-moi, j'hésite. Hein, mais... J'hésite. Je ne joue pas de combo.
Ok. Je fais un vote. Allez, je prends ça. Donc je sacrifie. Et je vais chercher les poteaux. Puissance avec le tank, c'est 5. Ouais, désolé. Non, c'est pas ça. Si j'ai ça, donc j'éveille mon Végéta. Tac. Je pioche deux cartes. Je passe à 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Non, ouais, c'était à 9 en France. C'est pas honnête. Voilà, puis on va. Je vais attaquer ton leader. Ok. Est-ce que tu comptes ? Non. Ça marche, donc je vais rajouter des combos. Ouais, je pioche une carte, pardon. J'ai pas pioché, non, je peux plus. Non, je donc je vais poser moins d'énergie son Goten. Je vais renvoyer ton cimetière. Non, zone de dispersion. J'ajoute un Trunks pour remettre une énergie. J'ai pas utilisé sa capacité à Végéta. C'est pas activé, on va se prendre cette balle. Ça va être mieux, oui. Surtout pour balancer autant de cartes. C'est clair, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Je pensais l'avoir fait en tout début de tour. J'aurais fait tout début de tour, ça aurait rien changé. Il faudrait perdre un TV. Non, mais je pensais, en fait, je l'ai éveillé, mais je pensais à. J'avais utilisé sa capacité à ce moment-là. Ah non. Mais non, je l'ai juste éveillé, en fait. J'ai juste éveillé. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Ça fait 25 000. Je m'éveille. Je pioche des cartes. Ouais, je suis con, j'ai oublié. Complètement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Objection. Allez, je vais attaquer ton leader. Ok. À 15 000, comme je n'ai pas 5 sources d'énergie ou plus. Je ne contre pas.
Tu les tapes 2. Toi, tu lâches une carte. Ok. Tu rajoutes des combos. Lui c'est quand je l'utilise en combo, après je le passe à la fin du combat, je le passe en mode inertie. Ah mais c'est celle-là qu'il me fallait. Bon vas-y prends. C'est quoi? Ah c'est pour moi. C'est trop gentil. Ah c'est celle-là qu'il me fallait. Donc bon, pour l'instant, elle est en mode combo et après, elle est en inertie, d'accord. Elle est sympa cette carte. J'aime bien. Bon, bah, enfin, du coup, voilà, j'étais en défense. Ah oui, c'est vrai, t'as défendu, donc lui, ça passe pas. Ok. Hop. Ah. SS3. Il fait un truc en arrivant, lui. Ouais, il obtient réplique. C'est-à-dire que je fais tac tac. Réplique double frappe. Ok, réplique double frappe. Ça annonce la couleur d'un coup. Hein. Ouais. C'est pas là pour rigoler quoi. Ouais, c'est clair. Tu attaques. J'attaque. Je vais gagner double frappe. Mon Végéta. Ah ouais, Végéta. Pas de Végéta. Pas de compte. Ok. 20 000. Hop. Pickle Pro. Je pioche une carte. Réplique. Je fais le soin de répliquer. C'est juste, du coup, c'est juste au tour où tu le poses qu'il réplique. Enfin, juste permanent. Permanent. C'est permanent. C'est une fois. Et quand cette carte évolue, celle-ci acquiert. Ah oui, quand il évolue. Nickel. Je l'ai fait évoluer, nickel. Ah non, c'est légit, voilà. C'est légit. C'est légit. Total. Il n'y a pas le... Du coup, tu attaques qui? Enfin, si tu attaques. J'ai pas de mal attaquer. Combien de cartes en main maintenant? 10. C'est ça? J'ai bien compté. 9. J'ai bien compté. Il y a 20 000, j'avais pas de compte. On attaque quoi? Allez. C'est moche ce que tu fais. C'est totalement légitime. Pas de contre. Allez, je touche ta compte de 1000. 5000. Ouais, ça c'est. 1000, c'était pour la blague quoi. Je le laisse passer. Il n'a pas fait longtemps, hein. C'était le but. Fin de tour. Fin de tour. Je tape. Je pleure un coup. Je cherche une carte. Si vous voulez avoir une chance de aller mieux attaquer un des deux. Je vais poser. Parce que de toute façon, moi, tu pourras attaquer. Tu pourrais pas faire autre chose que le Taël. Vous pouvez essayer de gérer le Taël. Qui part en énergie? Moi, je trouve ça important de faire ça. Ouais, en défense, elle est bien. De toute façon, je pense que. Elle m'a sauvé la vie une fois en tournoi, j'ai fait peur et je pose chaque mot de la justice et j'ai réussi à passer le tour et j'ai gagné. C'est vrai que comme combo c'est super puissant parce que c'est plus 5000 mais tu peux retirer un 10 000. Donc le rapport de force est... Tu peux retirer un double frappe. Et alors double frappe non, ça marche pas. Parce qu'il obtient double frappe, mais c'est fixe, c'est pas lié à la carte en fait. L'auto est joué en fait et après la carte peut être défaussée ou remise en main. Le double frappe reste. Ah, comme ça, ouais, c'est donc c'est juste pour la puissance. Mais c'est du mieux, ça fait du mieux quand même. Ah oui, non, complètement. Ça renvoie pas les effets, ça. Complètement. Ça. Allez, très bien fait. Donc je vais utiliser le pouvoir de mon Végéta. Je pioche un point de vie et il a double frappe. Je vais attaquer ton leader avec. Oui. Est-ce que tu contres? Non. Non. Monsieur te dit non. T'as combien de cartes, hein? J'en ai plein.